Ouais, salut mon grand. Ouais, un peu, oui. Je bosse sur mon rapport semestriel. Ouais, en musique. Ah non, moi ça m'aide à me concentrer. Bon, t'appelles pas pour savoir où j'en suis de mon rapport. Ah ça? Ben ouais, bien sûr. Oh, tu me prends pour qui? Je suis pas du genre à me déballonner. Mais oui, depuis ce soir, 18h, jusqu'à vendredi, 17h59, pas une minute de moins. Quoi? Des photos pour te le prouver? Ah, tu rigoles? De toute façon, t'auras qu'à demander à Isa. D'ailleurs, on va pas tarder. Oh, détrompe-toi. Elle a l'air un chouïa coincée comme ça, mais elle est très large d'esprit. En tout cas, c'est pas ça qui va la mettre en boule, crois-moi. Non, non, ça va la faire marrer. Bon allez, aucune chance, je te laisse, je suis en plein boulot là. Je vois pas pourquoi il s'affrait la gueule. De toute façon, c'est comme ça. C'est mes oignons, rien à y redire. Oh, et puis quoi? J'ai un mec, un vrai, et c'est moi qui porte la culotte. Je suis majeur, vacciné. Si j'ai envie de mettre une jupe, c'est mon droit. Vive la liberté! Ouais, à bas la dictature vestimentaire! Ouais. Vive la liberté! À bas la dictature vestimentaire! À bas la dictature vestimentaire! À bas la dictature vestimentaire! À bas la! C'est toi qui fais comme ça, mon juju? Oula la bla! Alors, les larges d'esprit, mais il vaut mieux préparer le terrain. Oui, c'est toi, ma louloute. Oui, c'est moi, ta louloute, ta belle Isa, avant toute. Ça a l'air de gagner pour toi, Lilo. Super journée. Bon, c'est pas totalement gagné, mais la chance est de mon côté. La chance. Ouais, pas comme d'estramon, hein. Cette truffe s'est éclatée la rotule en demandant sa copine en mariage. Par la manche. En plein repas de fiançailles, ce bonnet n'a rien trouvé de mieux que se la jouer romantique. Est tombé à genoux devant sa copine sur le carreau. Oh le gros loulou. Tu crois pas si bien dire, hein? Paraît qu'il en a fondu le carrelage. Et du coup, il a fini sa demande dans l'ambulance. Ah bah oui, tu connais le dicton. Fiançailles sur le carreau, mariage à l'osso. Non, mais je connais celui qui dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et le tien en l'occurrence. Oui, du coup, madame Lava m'a confié tous les dossiers de leur plafond. Ouh, je suppose que c'est bon pour ta promo tout ça. C'est excellent. J'ai plus qu'à me jouer jeune cadre, sérieuse et dynamique et... Bonjour, madame la responsable de secteur. T'es pas déjà responsable de secteur? Non, je suis qu'adjointe, voyons. T'es sûr? Bah, si j'étais responsable de secteur, je serais au courant. Eh bonne, c'est là, secteur ouais. Courant. Bon, allez, très bien, mon amour. Ce soir, c'est le branle-bas combat pour la barre. Quoi? Ma période jeune cadre, sérieuse et dynamique commence ce soir. Nous recevons là-bas ici. Hein? J'ai en charge tous les dossiers de ton corps blessé, y compris Stadfai et Takanishi. J'ai qu'à quoi? Takanishi, un truc énorme. Et dès lundi, je pars à Nara. Oh, je te suis pas là. Mais non, je ne vais pas toute seule. Où ça? À Nara! Tu veux bien te calmer quelques secondes et m'expliquer tout ça plus tranquillement? Alors, Takanishi, gros client japonais, d'accord? D'accord. Et Destramon, gros bobo à la papate, d'accord? Oui, ça, les fiançailles acrobatiques, j'ai pigé. Voilà. Et moi, remplacer Destramon, et c'est pour ça que dès lundi, on va partir très loin pour Nara près de Kyoto. Donc, grand palabre avec Takanishi. Tu vas comprendre. Tu vas au Japon pour en faire? Oui, voilà. Mais avant d'aller là-bas, venir ici. C'est là que ça coince. Mais ça n'est très simple. Madame là-bas, venir ici pour expliquer à moi le dossier Takanishi. Tu vas comprendre. Ah, ça y est, j'ai compris. Ce soir, ta directrice vient bouffer à la maison pour te briefer sur le dossier Takamachin. Takanishi. Attention. Voilà, tu comprends un peu que je sois grand, là. Mm-hmm. En gros, ma carrière se joue en une soirée. Fiche. Bon, alors, je compte sur toi, femme, pour éviter tout dérapage, toute bavure, toute excentricité devant madame là-bas. Tu me connais? Ben
Ben justement, hein. Je vais me tenir. Oui, mais vois-tu, madame là-bas est une personne sérieuse, voire austère même, qui aime s'entourer de collaborateurs eux-mêmes sérieux. Compte sur moi, je vais les mettre à l'aise, si vous les montez. Et tu comptes t'y prendre comment? Tu comptes lui servir tes devinettes tordues, tes plaques à deux balles? Parce que crois-moi, c'est pas le jour de la maison, hein. Ah, t'inquiète, depuis quelques heures, j'ai de sérieux doutes sur mon statut d'académicien de la devinette. Oui, parce que le but, vois-tu, c'est que nous passions pour les gens les plus convenables au monde. Alors, tu serais un grand garçon si tu pouvais éviter comme la peste tous les sujets glissants tels que la religion, la politique, la corrida... Ou le championnat du monde de luge. Ah non, ça tu peux. Pour un sujet glissant, celui-là... Tiens, monsieur et madame Slegg ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Bob. Bob Slegg. Le pauvre type, avec un prénom pareil, un dépressif en puissance. Là, jamais tout le monde l'apprend. Non mais stop! Tu vois, justement, voilà le genre du coup qu'il faut éviter. Bon, promis, je vais le cas sérieux. Promis? Promis. Zéro pitrerie? Oh, promis. Bon, ouais, parce que... Là, vois-tu, c'est juste pour le temps d'une soirée, c'est tout ce que je te demande. Et c'est forcément ce soir? Bah oui. T'avais pas le choix dans la date? Mais c'est pas possible, hein, tu peux pas t'en empêcher, hein. C'est plus fort que toi. Bah, de quoi tu parles? Parce que tu crois que je la connais pas, ta contre-plaquerie grableuse. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'avais pas le choix dans la date, c'est aujourd'hui. Tu vois? Non, je dis juste que ça aurait pu mieux tomber, c'est tout. Ouais, bah c'est comme ça. Bon, il y a quand même un minimum de choses à préparer avant son arrivée. Ah oui. Faire un peu de rangement. Mmh. Passer le balai. Ouais. Rester le couvert. Mmh. Tu comptes rester planté derrière ton bureau toute la soirée, là? Non. Et alors? Alors quoi? Monsieur devrait-il lever ses grosses fesses de son bureau pour venir me donner un petit coup de main? Je veux bien si tu me promets de ne pas gueuler. Au contraire, si tu daignes te lever pour aller chercher le balai, alors là, je serai comblée. Promets-moi. Oui. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais avec ma jupe? Ouh, t'inquiète, je vais pas te la déformer. Mais c'est pas la question, mais pourquoi tu portes une jupe? Parce que t'en portes bien. Oui, mais moi je suis une fille. Oh, tout de suite une fille. Le bon vieux prétexte, ben archaïque. Mais qu'est-ce qui te prend? Ah, rien, j'ai eu envie de mettre une jupe, j'ai mis une jupe, on va pas en faire tout un plat. Mais c'est du gros n'importe quoi, enfin. Ben, je vois pas où est le problème. Ben, arrête de dire n'importe quoi, tu sais très bien où il y a le problème. Non, désolé, je vois pas, non. Parce que pour toi, porter une jupe, c'est normal. Bah, ouais. Bah, non. C'est quoi pour toi la normalité? Alors, sous prétexte qu'en France, ces 100 dernières années, les hommes ont mis des pantalons, moi, je devrais faire pareil. Eh ben, exactement. Et ça te dérangerait pas de vivre avec un mouton? Bah, les moutons portent pas des pantalons, à ce que je sache. De plus en plus d'hommes portent des jupes, c'est même très tendance. Faut sortir, Isa. Oui, eh ben moi j'ai beau sortir, moi j'en vois pas des hommes en jupe. Hein. On doit pas fréquenter les mêmes endroits. Et les Écossais? Mais c'est pas des jupes, c'est des kilts. Ah, bonjour, la nuance. Alors en Indonésie, ouais, c'est des paréos. À Ceylan, c'est des sarongs. Quelle belle affaire. Bah, si tu veux passer pour un berbère, hein, dis-le tout de suite. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est que cette soudaine envie de vouloir ressembler à une femme? Ben non, 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 si j'avais voulu ressembler à une femme, j'aurais changé de chaussures, j'aurais mis un joli petit haut et je me saupaturerais la figure. Ça n'a rien à voir. Ben alors explique-moi. Mais il n'y a rien à expliquer, je te l'ai dit, j'ai eu envie de mettre une jupe, j'ai mis une jupe, voilà, c'est tout. Oui, puis justement, juste aujourd'hui, tiens. Ben ouais, il faisait beau, il y avait un peu de vent, puis c'était pas désagréable. Juste le jour où madame là-bas vient me voir, toi, tu décides à mettre une jupe. Ben, moi, tu veux mettre ma carrière en l'air, hein, dis-le tout de suite. Je suis comme toi, je ne savais pas qu'elle venait ce soir, ta directrice. Eh bien maintenant tu le sais. Donc tu vas être un grand garçon, hein, et tu vas aller le changer, comme ça tu ne feras pas honte, d'accord? Pas d'accord. Mais tu t'es vu. Bah oui. Et je trouve que ça ne va pas si mal. Mais c'est du gros n'importe quoi. Oh mon juju, tu peux pas faire ça, ben, ce soir. Ah, désolé, mais j'ai promis. Bah, qu'est-ce que t'as promis? Qui t'a promis? Ah, Jean-Phil. Alors là, t'es pas très clair, je jure. Parce que un coup, c'est une soudaine envie. Puis le coup d'après, c'est une promesse.
Dis-moi la vérité, allez. Oui, bah, c'est pas une soudaine envie. C'est pas ça, comment dire. Allez, je t'écoute. Je sais pas, c'est... Allez, crache-le. Hier soir, avec mes potes, j'ai perdu la part. Quel pari? Jean-Phi a parié qui me coincerait avec une devinette. Tu me connais, pour me coincer avec une devinette, il faut se lever de bonne heure. En plus, si je trouvais la solution, il se rasait la tête. Est-ce que t'imagines Jean-Phi la boule à zéro? C'est ridicule, hein? Complètement ridicule! C'est pour ça que j'ai accepté. Eh ben, ne me prends pas si tu veux. Ben, j'ai séché. C'est étonnant. Ah non, mais attention, balèze la devinette! Ouais, mais c'est pas grave, moi je m'en fiche. Mais écoute, si tu réponds pas à ce gage ridicule, c'est pas grave. Et comprends-moi, Isabelle, je l'ai répété 10 fois. J'ai parié, j'ai perdu, j'assume. Et si j'appelais Jean-Phi, tiens, je lui explique. Ah non. Si tu fais ça, je perds la face devant tous mes potes. Est-ce que tu préfères que ce soit moi qui perde la face devant ma directrice? Tu veux que ma carrière en l'air, dis-le. Ok, si tu veux, je sors. Je vais me faire une toile et je te laisse en tête à tête avec ta directrice. Ah non, pas en tête à tête. Hein. En plus, je lui ai dit que tu serais là. C'est un plaisir de te rencontrer. Ok. Alors, je mets la robe de chambre. Ouais. Je me fais un gros nez bien rouge et je fais genre le mec à la crème. Ouais, c'est ça. Pour qu'elle prenne peur de tes microbes et qu'elle fasse demi-tour. Ben voilà, et ça marche. Mais non, mais moi j'y tiens cette soirée. Si tout se passe bien, je suis sûre de décrocher la timbale. Ça fait des années que j'attends une telle occasion, moi. Ah, parce que tu crois qu'après avoir goûté à ta tambouille, elle sera conquise. Oui, moi, hein, de toute façon, en plus, j'ai déjà tout commandé au traiteur, elle est au courant. Elle sait que je consacre ma vie à mon travail, que je bosse même à la maison et que du coup, j'ai même plus le temps de cuisiner. Ok, dernière solution. Je mets derrière le bureau, je passe la soirée à bosser sur mon rapport et nous passons pour un couple hyper motivé par leur job et tout réjoué. Ouais. Et puis toi, même pas sans l'arrivée, tu te lèves pour la saluer. Oh, hey, je dis ça, c'est pour toi. Je cherche des solutions. Eh ben moi j'en ai une, pas un pantalon. Je ne peux pas retirer la jupe. Mais je te dis pas d'enlever la jupe. Par-dessus la jupe? Oui, bon, ben, comme ça. Toi tu respectes ton pari, et moi tu me fais pas honte. On peut mettre un pantalon par-dessus une jupe. Oui, bon, c'est sûr que ça va la froisser un peu, puis ça fera un léger brûlet au niveau de la ceinture, mais à part ça c'est jouable, là. Bon, ok. Ah, je suis cool, j'essaie, et tu me dis. En jupe, mon mec, en jupe. Qu'est-ce qu'il fait pas voir? En tout cas, s'il y en a une qui s'embourbe dans la monotonie, moi je lui passe, tiens. Je vais pas être déçue du colis. Hein. J'espère qu'il a mis un flip. Mais j'ai pensé que ça ferait énormément plaisir à ce brave Destramont. Je vais passer le voir après le repas. C'est pour ça, mettez-les dans l'eau parce que c'est vous, elles vont faner. Il sera ravi, hein. Et dis-moi, ma louloute.
Plutôt jean ou costard? Qu'est-ce qu'il abranche, ta vieille pie? Le costard me sert un peu, alors j'ai peur qu'avec la jupe en dessous, oh, ça va pas être simple. Non. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le mari d'Isabelle, je présume. Oui, Fallon n'est pas, mais... Et vous êtes la madame là-bas d'Isabelle? Oui, la vieille fille, comme vous dites. Ah oui. Ah non! Ah non, 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 non! Ah non, j'ai pas dit vieille pie, comme une vieille pie. J'ai dit VIP, comme very improbable personne. Puis, de toute façon, j'adore les pies. C'est un oiseau, c'est beau, c'est couleur, c'est... Ah non, en noir et blanc. Oh, ça chante, ça chante la pie. Miaouk, 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 miaouk. On est quand même très loin du rossignol. Ah ben oui, c'est pas le même poids, hein. La pie est bien plus grosse. Certes. Ah, je ne dis pas ça pour vous. En tout cas, vous évitez très bien la pie. Oui, merci, je fais aussi très bien le flamant rose. Le flamant rose. Le flamant rose. Je fais pas de... Avec. Isabelle, votre compagnon est plein de ressources. Ah, excusez-le. En fait, il est en pleine écriture d'un nouveau show et ça empiète un peu sur notre vie privée. Mais vous ne m'aviez pas dit qu'il était contrôleur de gestion? Ah, si. Si, mais... dans une entreprise de spectacle. Voilà. Ah, c'est très intéressant. Ah oui. En ce moment, on adapte le peuple migrateur au théâtre. Un gros challenge. Et... Donc, vous occupez également des costumes. Ah, oui. D'ailleurs, si je peux me permettre, un juste corps emplumé vaudrait bien mieux que cette jupe. Ou un collant rose. Bon. Vous croyez? Voilà. Donc là, maintenant, tu peux aller te changer, hein? Que nous passions au salon pour prendre l'apéritif, d'accord? Eh bien, je crois que je vais la garder, moi, cette jupe. Bon, elle vous sied à ravir. Je vous remercie. Bon, oh. Je manque à tous mes devoirs. Madame là-bas, puis-je vous débarrasser de votre manteau? Non, je vous remercie. Je préfère conserver mon manteau. Ah, vraiment? Vraiment. N'est pas froid, moi. Non, rassurez-vous, c'est juste une petite manie. On a tous nos petites manies, hein? Oui. Vous allez rire, hein? Mais lorsque je vais chez quelqu'un pour la première fois, je garde toujours mon manteau. Vous avez bien raison. Comme ça, en cas de nécessité, vous pouvez fuir plus rapidement. On n'est jamais trop prudent. Oui, certainement. Vous ne trouvez pas ça un peu vexant pour vos autres? Pardon? Moi, je pense que rester sur le qui-vive chez des gens qui vous ouvrent leurs portes est tout bonnement insultant. Enfin, Juju, eh ben moi, je pense que lorsqu'on est reçu par un pervers en jupe, il y a de quoi se méfier. D'une. Je ne suis ni père, ni vert. Effectivement, accoutré comme vous l'êtes, vous faites plutôt mère bleue que pervers. Vous êtes qui, vous, Sangriard? Un génépie pour la vieille fille. Une anisette pour la fillette. Bon. Là, je crois que vous êtes partie sur le mauvais pied, hein. Ah oui, c'est le flamant rose qui s'est trompé de patte. Bon, là, je crois que... Là, il faut dire la vérité, madame, là-bas. La vérité, tu ne me trouves pas assez franc, là. Non, mais dis-lui pourquoi tu t'as mis une jupe? Pas tant que ton corbeau gardera son manteau. Je crains le pire. Le juge, fais-le pour moi. Bon, ça va. Excusez-moi, madame Labar, j'ai juste perdu un pari. Un pari? Oui, j'ai parié que si je ne trouvais pas la solution à une devinette, je porterais une jupe. C'est ridicule, hein? Ah, mais j'apprécie le fait que vous respectiez votre parole. D'habitude, je suis incollable. Bon, ben là... Vous savez, moi aussi, je suis douée pour ce genre de petit jeu. Ah bon? Chiche! Et si vous séchez, vous retirez le manteau. Bon, d'accord. Mais si je gagne, eh bien, vous mettrez des escarpins. Ah non, hein, on recommence pas, hein? Ah, laissez, Isabelle! Bali et ballot sont sur un bateau. Bali, ton ballot. Que reste-t-il? Ballot. Non! Ballot tondu.
Ballot tondu. Je vous la refais. Bali et Ballot sont sur un bateau. Bali ton ballot. Bali ton ballot. Ah, je crois que j'ai perdu, n'est-ce pas? J'en ai bien peur. Bon, alors écoutez, c'est d'accord. Je vais retirer mon manteau. Mais avant, il faudrait que je vous explique quelque chose. Ce midi, je suis allée déjeuner avec notre PDG. Nous avons fait un pari. Et j'ai perdu. Thank you.